La plage du Touquet hors saison. Un chien qui court en toute liberté. Zoom avant sur un couple d'amoureux. Jeune, beau, seul au monde. On se croirait dans un film de Claude Lelouch. Shabadabada. L'héroïne du jour, c'est Camille Serre, Miss France 2015. Et le prochain rebondissement se dessine sous son ensemble de laine, « Je suis enceinte de 5 mois », confirme-t-elle. Mon terme est prévu pour la mi-août. À ses côtés, Théo Fleury, de 4 ans son aîné, pose une main complice sur le ventre de sa compagne. Ce bébé est la suite logique de leur romance, entamée début 2021. À l'abri du nouveau hôtel Ibis Thalassa posé sur les dunes, le couple rembobine le film. C'est un scénario digne des meilleures comédies romantiques. Théo a fait ma connaissance, devant sa télé, le soir de mon élection de Miss France, en 2014. Il a commencé à me suivre sur les réseaux sociaux, raconte Camille. Mais à l'époque, j'étais avec quelqu'un, enchaîne le mannequin natif de Caen. Quand je me suis séparée, je me suis dit que j'allais tenter ma chance. J'ai écrit à Camille sur Instagram et il ne s'est rien passé pendant des semaines. Et puis, un soir, elle m'a répondu. On a commencé à discuter, à rire des mêmes choses. C'était hyper fluide. Avec le Covid, l'activité de Théo s'est tarie et il s'est retiré chez sa tante dans la Creuse. Camille est alors prise d'une fulgurance. Avec mon chien Roméo, j'ai pris la route de la Creuse au volant de ma petite 108 et j'ai débarqué pour le week-end. Je me suis dit que cette fille savait ce qu'elle voulait, se souvient Théo. Supérieure à Eugénie Bjork, Adam Levine, Carey Mulligan, ces naissances qui ont marqué l'année 2023, ce bébé est la suite logique d'une belle histoire démarrée il y a 2 ans depuis, leur amour n'a cessé de grandir. Théo s'est vite convaincu d'avoir trouvé la mère de S et futurs enfants. Mais, avoue Camille, on n'avait pas forcément prévu d'en avoir si vite. Ou d'en avoir tout court. Moi, je n'ai jamais ressenti cette envie viscérale de devenir maman. Même petite, je ne jouais pas à la poupée. Quand l'ancienne Miss France a appris qu'elle était enceinte, la vie de Théo était donc déterminante. Un soir, elle m'a dit « Assieds-toi sur le canapé ». Puis elle m'a tendu une belle boîte matelassée. Dedans, il y avait un test de grossesse, positif. Je lisais beaucoup d'inquiétude dans les yeux de Camille. Face à cette nouvelle, et face à ma réaction, je l'ai prise dans mes bras, on s'est regardé, c'était beaucoup d'émotions. J'étais très heureux mais je lui ai dit que c'était son corps et que, quelle que soit sa volonté, je l'accompagnerai. Mais dès le lendemain, au réveil, le couple se surprend à se projeter, à chercher des prénoms. Théo rêve d'une petite fille, Camille de jumeaux. J'ai moi-même une jumelle, Mathilde, et ce n'était que du bonheur. Ce ne sera ni l'un ni l'autre. Et pourtant, le suspense a duré. À la première échographie, la gynécologue nous a dit que c'était une fille avec une probabilité de 95%.
et à la deuxième, qu'elle ne pouvait plus rien nous dire, révèle Camille, amusée. Au final, on ne l'a appris que début avril, j'attends un garçon. Le début de grossesse a été assez mouvementé. Comme beaucoup de femmes enceintes, Camille a vécu l'enfer des nausées. J'avais pas mal de tournages d'émissions, pour Gulli et TF1. Je demandais des pauses en disant que j'avais mangé des sushis et que je n'étais pas bien. Personne n'a rien capté. Il faut croire que je mens bien. Elle s'est aussi découvert des envies étranges. Lors d'un week-end chez des amis à Bourges, elle m'a demandé de lui trouver des fraises et des pastèques. En plein hiver, rigole Théo qui, de son côté, a fait la fameuse couvade. Avec les nausées de Camille, j'ai eu tendance à finir ses assiettes. Résultat, j'ai pris du gras. Là, j'ai dû refuser tous les contrats pour des photos en maillot de bain. Il faut absolument que je me remette au sport. Les défis ne manquent pas pour les futurs parents. Le premier étant de réussir à emménager avant l'été dans la maison qu'ils ont achetée à Lille et retapent en partie eux-mêmes. Ce qui devait être le bureau de Camille va devenir la chambre du bébé. Mais ils n'en sont qu'aux peintures. Au moins ont-ils déjà réglé un souci, on a trouvé le prénom, sur lequel on est tombé tout de suite d'accord. Mais pour le moment, on préfère le garder pour nous. Zoom arrière sur les amoureux de la place du Touquet. Toute belle histoire doit garder sa part de mystère. Cet article est à retrouver dans Gala N Degré 1559 disponible dans les kiosques ce jeudi 27 avril 2023. Crédit photo, Benjamin Decoing.